Moi, c'est Cathy Florfizeme, économiste. Moi, c'est personnalité de la semaine de Chocarella. Je m'appelle Cathy Florfizeme, moi j'ai 28 ans. Moi fait au Cap Haïtien, c'est là que je grandis tout, c'est là que je fais toutes études primaires et secondaires moins. Et comme la plupart de bacheliers qui sont au Cap et aussi dans l'autre province, une fois que je finis avec philo, moi rentré Port-au-Prince pour venir à l'université et c'est là que moi choisi CTPEA pour moi comme filière, je suis capable de faire études supérieures. CTPEA, c'est Centre de technique de planification et d'économie appliquée. C'est une école qui forme étudiants et surtout dans le champ économie, mais avec des variantes et dans statistiques et planification qui lient surtout avec stratégie de développement et puis gestion de projet de développement. Et j'étais toujours un monde qui est très active, qui est très dynamique. Depuis l'école au Cap, j'étais toujours fait partie de tout comité, de toute classe que je passais là-dedans, y compris dans l'université. Parce que j'étais toujours un monde qui voulait impliquer, qui ne voulait pas être passive, mais qui vraiment toujours envie de faire des challenges et remet tout fait des choses qui sont atypiques. Donc, je suis arrivé à CTPEA. Je suis rentré dans un club qui était fait fondé. Je suis rentré dans l'école là et le club là était fait monté par plusieurs étudiants qui étaient fait partie de deux promotions avant. Donc, le club là était le club éco du CTPEA. Je suis rentré dans le club là comme membre actif d'abord et ensuite je suis rentré comme membre comité. Toujours encore pour me battre mon challenge et puis tout c'était une opportunité pour moi pour me capable et faciliter l'intégration de l'école là parce que et en tant que jeune fille qui sortit en province c'est toujours assez difficile pour que l'intégration en fait lors d'une Port-au-Prince ou par contre personne donc c'était une opportunité pour moi pour me capable intégrer et être moi non seulement et Port-au-Prince mais tout dans l'université bon et me ka dit que j'ai deux et bagay qui caractérise moi en tant que Cathy Florfizeme. Premièrement, je suis un monde qui aime challenge. Et puis deuxièmement, je suis un monde qui aime faire des choses atypiques. Qui ça que m'aime des choses atypiques, c'est que je suis fille et nous tous connaissons qui place que les filles en général dans la société haïtienne, qui perception traditionnellement que vous avez de filles haïtiennes. C'est du genre où finit l'école pour ça qui gagne chance et à l'école. Peut-être aller dans l'université pour ça qui a une chance d'aller dans l'université, mais une fois qu'on finit l'université, c'est chercher un monde marié et puis retenir qu'à faire petit, occuper petit monde et puis fini. Moi-même, moi, je voulais plus que ça. Moi, pas juste une fille qui voulait un parcours traditionnel, tant qu'en pile fille et haïtienne, moi, je voulais plus que ça. Et d'ailleurs, depuis le tout petit, moi, et toujours dans la question et fait des choses atypiques. J'étais une rare et jeune fille sous quartier et jeune fille dans l'école tout parce que moi j'ai fait toute classe moi dans l'école Kamé. Donc j'étais une rare jeune fille qui fréquentait la Kamé qui était qu'on a joué football. Donc depuis 8 ans moi a joué football et moi j'étais même fait partie de l'école football qui est l'ANAFOOT, Académie nationale de football et à deux reprises moi j'étais sélectionnée comme monde pour aller participer pour aller représenter Haïti deux fois en République dominicaine et comme monde qui fait partie de sélection haïtienne. Donc c'est très atypique pour une jeune fille. Et puis tout même dans le choix de carrière moi et pendant que et par exemple la plupart de jeunes filles surtout Cap Oiseau ils auraient fait ça depuis au sorti et au Cap yo, en général ils ont fait médecine ou bien agronomie. C'est deux champs privilégiés ça que ils ont fait en général. Moi-même, j'ai réfléchi, j'ai choisi une école qui est très atypique, une école qui est très peu connue et au Cap Haïtien, bon, qui est très peu connue dans le pays en général et encore plus au Cap Haïtien. Et en plus, c'est une école qui n'a pas gagné un pile fil là-dedans. Donc ça veut dire que c'est
C'est tout le bagage qui est expliqué plus ou moins et parcours atypique que moyen.